Thank you.
We'll be right back.
Sur le petit discours d'introduction. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les invités, artistes et producteurs. Cook. J'en vois déjà qui sont inquiets, là. Non, non, rassurez-vous, nous n'allons pas parler de la gastronomie anglo-saxonne. James Cook, car c'est de lui qu'il s'agit, fut le grand navigateur anglais qui parcourut le Pacifique et cartographia de nombreuses côtes et îles de cet océan. Ainsi, lors d'une de ses expéditions à bord de son trois-mâts Endeavour, il atteint la Nouvelle-Zélande, puis la côte est de l'Australie. Remontant vers le nord, il pénètre dans un fjord qui deviendra Botany Bay, en raison de la richesse de la flore, de nombreuses nouvelles espèces étant découvertes par les botanistes de l'expédition. Et certainement, parmi ces nouvelles espèces se trouvaient des orchidées, et tout particulièrement des dendrobiums. D'ailleurs, petite parenthèse, à notre époque, nombre de ceux-ci disponibles dans le commerce sont originaires d'Australie. L'Océanie. Comme à l'habitude, il n'a pas été aisé de choisir les éléments de notre décor, le Pacifique est si vaste et les îles si nombreuses. Cependant, même s'il est impossible d'en faire le tour en si peu de temps, nous vous invitons à embarquer à bord de Jojo. Et oui, Jojo, l'avion de Jacques Brel, qui va vous emmener sur l'île de Pâques et ses célèbres Moailles. De là, nous décollerons à destination des îles Marquises, là où repose Jacques Brel, mais aussi Paul Gauguin. Les plats refaits, et oui, il y a de la distance, en route pour les îles Sandwich, ou pour le bar où vous pourrez vous restaurer d'un jambon beurre ou autre. Poursuivant notre périple, nous visiterons les îles Tonga, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, Tahiti, Kiritimati, où furent testés 32 bombes atomiques. Ne craignez rien, nous fournissons des combinaisons anti-radiation. Hein. Et les dosimètres aussi. Nous n'en dévoilerons pas plus pour vous laisser le plaisir de découvrir les merveilles et curiosités de ces îles. Enfin, nous redécollerons à destination de l'Australie et de ses paysages sauvages et grandioses. Peut-être aurez-vous d'ailleurs le plaisir de croiser Skippy le kangourou. Et ceux qui auront pris le maillot de bain pourront se rafraîchir dans les Mitchell Falls avant de regagner leur pénate. Toute l'équipe décor a une fois de plus réussi le pari de créer un enchantement pour les yeux sans pour autant oublier le côté didactique de cette manifestation. Qu'elle en soit remerciée, ainsi que toutes celles et ceux qui contribuent à la pérennité de notre exposition. Et maintenant, nous vous laissons embarquer à bord de Jojo. En cas de dépressurisation, des masques à oxygène tomberont automatiquement, etc., etc. Vous connaissez la musique. Orchidée Hangdog vous souhaite un agréable voyage et vous dit à bientôt sur nos lignes. Monsieur le maire, comme à l'habitude. C'est vrai que c'est un peu répétitif. J'ai envie de vous dire, rappelez-vous ce que j'ai dit l'an dernier. Voilà, c'est toujours un ébouissement, c'est vrai. Ce salon, il y a deux salons, en fait. Il y a le salon de l'orchidée et puis le salon des artistes qui font ce décor. Et chaque fois, nous étonnons. Cette année, nous vous emmenons en Océanie avec votre parcours. Là, c'est bien. Hein. Je me demandais à qui était l'avion, mais ça, vous l'avez précisé. Donc, c'est un enchantement, évidemment. Hein. Que dire de plus? Ce matin, je crois qu'on m'a dit qu'il y a 600 élèves qui sont passés. Donc, ça, 600 familles qui vont être informées. J'espère que ce sera un beau succès. Et comme vous disiez avec mes collègues, bon, le maire d'Aigueville et de Codonien, mes collègues élus, c'est vrai que c'est un enchantement. Et on entend tellement de mauvaises nouvelles que, comme je dis toujours,
pendant deux jours et demi, trois jours. Vergès est vraiment dans l'euphorie, dans la vie en rose. Donc bravo à l'association, bravo aux exposants, bravo aux artistes qui nous font le décor. Continuons comme ça. C'est le souhait que nous formulons. Merci. Si quelqu'un souhaite prendre la parole, c'est bon. Bon, dans ce cas-là, je vous invite à vous retrouver autour du verre de l'amitié.